Yo les gars, c'est Païka. Hop là, petit P. Bon, voilà, pour la journée, nouveau bolidos del Majatos. Pas mal hein, putain. Ça va me changer du 4 cylindres un petit peu mou quoi, tu vois ce que je veux dire. Mais ouais, bon, pour toutes les personnes qui vont me demander, oui, j'ai mon permis. Bon, j'ai pas la carte, mais j'ai mon permis. Je sais que je peux pas rouler sans la carte, mais j'ai mon permis. Mais voilà quoi, voilà quoi. Attention, les oreilles. Oh là là. Ah ouais, petite MT-09 et tout ici. Pas mal. Bon. Il y a la chicane, monsieur. Oui. Ok. Nickel brood. C'est pas les voisins. Ouais, les voisins, on les respecte. Alors là, il m'a mis en mode 2. Il y a mode 1, il m'a dit c'est pour... c'est pas pour toi. Mode 4, c'est pluie. Mode 3, c'est... Ouais. Et mode 2, c'est bien. Il m'a dit c'est bien. Du coup, je lui ai dit, bon ben, si c'est bien, on va tester le bien. Bon, allez, c'est parti. Ah ouais, du coup là, la position, pas pareil, shifter aussi, enfin il y a plein de trucs qui... Il y a des rétros aussi. Pas mal de choses bien que j'ai pas. Oh là là, le shifter, c'est incroyable. Ah ouais, par contre, ouais, ça freine. Hein ? Elle avait le volant à droite, qu'est-ce qu'elle fait ? Oh, le shifter, c'est incroyable. Merci de ouf au frérot Anto là qui me prête sa moto du coup. Alors ça du coup c'est une MT-09 SP de 2022 si je dis pas de bêtises. J'ai testé déjà une MT-09 SP mais l'ancienne version, la phase 2. Et là du coup c'est la phase 3. À voir ce que ça change du ressenti d'avant quoi. C'est parti pour cette petite balade avec les frérots là. Ça va être trop bien. Mais il a le régulateur de vitesse. On va voir comment ça marche ça. Ça marche pas. Ah ouais, ça marche. Oh, c'est incroyable. Oh, c'est trop bien gros. Oh là là, le régulateur de vitesse, c'est une dinguerie. Ah ouais, bah ouais, bah elle. Non, on va tout droit et à droite. Ah, je sais pas, je sais pas. On va aller à gauche. Eh hey gros, c'est le GPS, c'est pas moi hein. Truc de ouf toi. Mais il me dit que c'est là-bas. Ouais, on va la pousser hein. Ah, t'as ton transformer ce qui va sortir gros. Ah, je me suis mis bien, j'ai la plus légère de vous trois là. Il y a 500 mètres. Là, c'est toujours tout droit là. Excusez-moi, on voudrait aller au McDo mais on peut que passer par là, on vient de faire déjà 3 tours et on veut... Oui, parce que vous êtes tombé en plein milieu de la manif. Oh là là. Vous allez où ? Au McDo. Au McDo. Ouais. Eh bien il va falloir patienter. Non, si. On a faim, on a mal au ventre et tout madame, hein. Je vous jure, hein, ça fait des groum groum comme ça. J'en doute pas.
problème, c'est qu'on a les manifestants, vous voyez là où il y a les collègues là. Ouais. Bon, le McDo est juste à côté. Ok. Ouais, vous avez la manifestation en plein milieu. Ah. Après, vous en avez un, vous en avez deux. Vous en avez un vers Cora. Ok. Qui est du Mazdours. D'accord. Sinon, vous avez Burger King, si vous aimez Burger King sur la rocade aussi. Ok. Et sinon, vous avez un troisième McDo à côté de l'hôpital là. Eh ben, on va faire MCD. Vous avez le quai du Mazdours. Le quai du Mazdours. Voilà, c'est celui-là. Eh ben allez, hop, on va là. Donc en fait, vous allez repartir dans ce sens. À gauche. À gauche. Et après, en fait, vous allez relonger le gardon, mais suivez votre GPS. Ah ben mon GPS, il me dit d'aller tout droit. Vous pouvez passer par là, il va vous remettre sur le... Allez, c'est bon, on passe par là. Merci. Oh les galères. Tout ça pour un McDo, il y a des manifs. Et eux, qu'est-ce qu'ils font? Mais attends, mais on était là il y a 30 secondes, non? C'est sympa sinon, c'est joli. Ouais. Petit bassin pour pêcher, impeccable. Ah oh, le bruit. Oh là là. Allez, c'est parti pour la petite balade des familles, mon gars. Oh, non. Ah, ça a failli être la fin de balade, entre guillemets. Hein. En vrai là il fait bon, il fait pas froid, il fait pas chaud, c'est magnifique. On est à Florac. Franchement on se croirait un peu au Canada. Ah t'es ouf, c'est... Ah ouais, c'est abusé, c'est trop trop beau. C'est incroyable. C'est-à-dire ça tout de suite mon capitaine, elle a toutes ses... Enfin elle a tout. Vas-y remets quand même. T'as vu moitié de la barre? Ouais, tu m'avais dit, ouais, c'est baisé après. C'est incroyable. Là, je dis oui. 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 Tu veux le feu? Ouais. C'est pas dégueu, hein? Oh là là. Bah, c'est incroyable, hein? C'est incroyable. C'est incroyable. Tu veux te voir? Tu fais des bisous à toi là? Bah, c'est magnifique. C'est magnifique. Ah.
voies, frère. Et y a deux voies. On va pas sur ma voie. Truc de ouf, ça. Encore merci. Merci du fond du cœur au poteau Anto d'avoir des potes comme ça qui saluent, qui te laissent leur moto une journée, quasiment une journée. C'est beau. Je sais même pas comment expliquer ça tellement que ça fait trop plaisir. En tout cas, les gars, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. C'était Paika. Moi, je vous fais de très, très, mais des énormes poutous comme As, mon gars. Prenez soin de vous, comme d'hab, toujours. Hein. Faut faire toujours gaffe à vous, votre famille, votre entourage, les amis, la copine, tout, 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 tout. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était Paika et c'est magnifique. Magnifique. Allez, des gros bisous, les gars. Ciao.